Bonjour, 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 chers abonnés. On va se aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui portera sur comment détecter les pièces en acier et les pièces en argent. Bon, c'est juste une petite astuce pour tous les collectionneurs débutants. Vous verrez là, je suis en train de vous présenter ma collection. Bon, cette collection, je l'ai eue, ça fait juste un mois. Donc, je suis... Vous pouvez voir la collection là. Ok. Bon. Le matériel que nous parlons de ça aujourd'hui, c'est un aimant. Donc, l'aimant est l'élément essentiel, le matériel de base pour tout collectionneur débutant. Si vous voulez avoir des pièces originales ou bien les pièces originales, il faudrait d'abord avoir l'aimant pour pouvoir les détecter. Je ferai d'abord un test avec les pièces que j'ai. Vous verrez là, les pièces sont positionnées. Je mets l'aimant là. Ah. Ouais, ça c'est, excusez. Ok, je remets les pièces. Ok. Bon, vous voyez là, les pièces sont posées là. Les pièces sont posées là. Je vais vous présenter l'aimant que je devrais utiliser. Il faut avoir un aimant avec une bonne quantité. Ça. Voilà, c'est pour ça que mon aimant est assez grand. Je vais donc passer mon aimant au-dessus des pièces. Vous verrez là, comment c'est à ce niveau. Voilà, certaines pièces sont capturées et d'autres pas. Je passe là. Vous voyez là, d'autres pièces sont capturées et d'autres pas. Donc ça, ils ont dit, les pièces qui sont capturées là, nous les mettons de côté. Je vous montre les pièces qui ont été capturées. Toutes ces pièces-ci sont des pièces en acier. Donc ce sont des pièces qui n'ont vraiment pas de valeur essentielle sur le marché. Ok, on les met de côté. Toutes ces pièces-là qui restent, ce sont des pièces qui peuvent soit être en argent, en or, en bronze ou en nickel. Donc des pièces qui ont de la valeur sur le marché. Je vous présenterai encore quelques pièces ici-là où aucun collectionneur m'a encore donné suite. Je vous présente cette autre pièce. J'espère que vous voyez là. Si toute personne qui regarde ce tutoriel en a besoin, il n'aura qu'à m'écrire en inbox. Hein? Je vous présente encore une autre pièce. Cette autre pièce. Avec quoi de tel là, vous pouvez regarder là. Aucun collectionneur m'a encore donné suite, mais je voudrais savoir ce qu'elle est cette pièce. Ok, merci d'avoir regardé le tutoriel et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être le premier sur mes prochaines vidéos. À bientôt.